Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pour faire mon book haul du mois d'avril et il y a beaucoup de choses à vous présenter, donc on va essayer de se dépêcher. J'ai des réceptions ivresse, des cadeaux et des achats que j'ai fait. Du coup, c'est parti. Tout d'abord, j'ai reçu le nouveau Julien Rampin des éditions Charleston. Il s'agit de la chanteuse de bal, donc je suis trop contente. En plus, on a eu une dédicace, une magnifique illustration et un marque-page. Et j'aime tellement les romans de Julien Rampin, donc j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de My Happy Marriage. Donc j'ai le tome 1 que je lis avec une amie, donc on a trop hâte de se lancer dans ce petit shoujo. J'ai trouvé pas mal de mangas en occasion. Tout d'abord, j'ai trouvé le tome 1 de Good Night World, qui a l'air trop bien. En plus, c'est une série en 5 tomes, donc j'ai trop hâte de la découvrir. Et si j'aime beaucoup, bah, je pourrais acheter la suite. Tom m'a offert un roman pour mon anniversaire. Il s'agit de La Valse des Arbres du Ciel de Jean-Michel Guenassia, publié chez les éditions Le Livre de Poche. Du coup, je suis trop contente. Voilà, j'ai un petit cadeau d'anniversaire en avance, puisque mon anniversaire est dans un mois. Au début du mois d'avril, je me suis acheté le tome 1 de Père et fille, donc on va suivre cette histoire avec un papa qui élève sa fille tout seul, et c'est une histoire qui, bah, le sujet, le résumé me touche tellement, et du coup, bah, j'avais trop envie de découvrir ça, et puis ça a l'air trop mignon. Book off, j'ai trouvé ce magnifique roman de Valérie Perrin. Il s'agit de Changer l'eau des fleurs chez les éditions Le Livre de Poche. J'ai vu tellement de bons retours dessus, donc j'ai trop hâte de le découvrir et je l'ai eu pour 5 euros. En tant que grande fan de romantessie, je me devais de découvrir ce roman. Il s'agit de Guild, du coup c'est la saga des reines. Et c'est le tome 1 que mon papa m'a offert, donc je suis trop contente et j'ai hâte de découvrir. Il y a déjà le tome 2 qui est sorti et on attend le tome 3, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, de vous en parler. Même si j'ai vu qu'il y avait quelques avis un peu mitigés dessus, donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, avec ma soeur, on s'est pris le tome 1 de Dan Dadan en occasion aussi l'été, et du coup, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est un manga qui est sorti là il n'y a pas très longtemps et je sais qu'il plaît beaucoup. Je me suis acheté le tome 12 de Twilight Boon Nakuken et c'était le collector. Du coup, on a la magnifique couverture et un jeu de cartes comme ça qui est trop beau. Du coup, je suis trop contente. J'ai trouvé les 4 derniers tomes de la série Just Not Married en occasion. Du coup, nous avons le tome 2, le tome 3, 4 et le tome 5. Donc ça, je suis trop contente, j'ai hâte de terminer cette série. Ensuite, j'avais précommandé ce magnifique roman en collector. Il s'agit de Six couronnes écarlates de Elisabeth Lim, publié chez les éditions Rajo. Donc là, on a des pages en bleu qui sont magnifiques. Et quand on ouvre, regardez-moi cette beauté, il est vraiment trop beau. Je suis trop contente, j'ai hâte de lire, je pense que je le lirai cet été. Et voilà, franchement, ah là là, un bel investissement. J'ai reçu ce roman des éditions Nathan que j'avais pas demandé, mais je suis très contente de l'avoir reçu parce qu'il me tentait beaucoup. Il s'agit de Tokyo Dream chez les éditions Nathan, écrit par Emiko Jean, je sais pas trop le prononcer, désolée. Voilà, très contente. Ensuite, j'ai été influencée par Nina Queen, encore une fois, et par le book Son Nom sur Instagram et sur TikTok. Pour ce livre-là, il s'agit de Roi de Cendre. Il est sorti il y a vraiment très longtemps aux éditions Milan et c'est écrit par Kay N. Krum. Et il a l'air trop bien et à la fois très triste et tout. Donc bon, on verra ce que ça va donner. De la part de la maman de mon copain, j'ai eu ce tome 1. Donc c'est une fantasy, je suis trop contente. Il s'agit de la chronique des Fyrs, si je me trompe pas. Et ce tome 1 s'appelle Les Crépuscules des Peuples. Et en plus de ça, bah, j'ai eu un marque-page et une magnifique dédicace, donc très contente. Tom a fait son stage aux éditions Charleston et il a pu me ramener cette pépite. Il s'agit de Just Wanna Be Brother. Donc c'est l'épreuve non corrigée. Je suis trop contente parce que j'ai trop aimé la duologie Ashes Falling for the Sky de Neil Gaiman et Matthew Gimbe. Du coup, j'ai trop hâte de découvrir ce roman-là. Et en plus, c'est un cadeau, donc je suis trop contente. J'ai reçu 3 romans des éditions Hachette Romans. Tout d'abord, nous avons les Davenport. Il est trop beau et j'ai trop hâte de le lire. Avec, j'ai reçu le tome 1 de Boulevard. La couverture est magnifique et en plus il y a des illustrations dedans. Et pour finir, celui qu'on voit partout sur Bookstagram, il s'agit de Nos plus belles années. Et j'ai trop hâte de le lire. Lui, il fait partie de ma pile à lire pour fin avril. Donc j'ai trop hâte de le lire et de vous donner mes retours dessus. Et pour finir, l'autrice m'a gentiment proposé de recevoir son roman. Il s'agit de Voyage d'un cœur endormi. Et en plus, c'est l'édition Grolier et j'ai eu une petite dédicace dedans, donc très contente. Et voilà, j'ai trop hâte de le lire. C'est tout pour mon énorme book haul. Normalement, je suis allée assez vite. Et voilà, donc vous avez vu un petit peu les nouvelles réceptions, les livres dont je vais bientôt vous parler. Je vous invite à aller me suivre sur mon compte Instagram où je vous fais des stories régulièrement et je vous parle de mes lectures et vous pouvez lire mes chroniques. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube si jamais vous aimez bien mes vidéos. Voilà, chaque mois, je vous fais des petits bilans du mois et il y a plein de vidéos chaque semaine. Et aussi sur mon compte TikTok, ça me ferait plaisir. Vous n'êtes pas nombreux là-bas, mais ça pourrait être très cool. Tous les liens, dans tous les cas, ils sont dans la barre d'infos. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!